Bonjour, je m'appelle Damien, je suis lauréat des budgets participatifs de Montrouge 2023. Je m'appelle Nicolas Desplans, j'habite le quartier Montrouge Est depuis un peu plus de 6 ans. Bonjour, je suis Marianne Bruno. Je suis Gilles Andrew, je suis le président de l'association Musica Baila Vivo. Alors, c'est la deuxième fois que je participe à ces budgets participatifs pour la ville. Notre projet, c'était un plancher de danse en extérieur. Bienvenue pour cette cérémonie de remise des prix des budgets participatifs. C'est la quatrième édition, et moi ce qui me frappe, c'est qu'il y a toujours autant d'enthousiasme, d'envie, de volonté d'embellir la ville, de l'animer, de trouver des solutions très pratiques et très pragmatiques pour que la vie de chacun soit encore plus agréable à Montrouge. Voilà, donc c'est vraiment très, très positif, très enthousiasmant. Mais c'est un enthousiasme qui est lié à ce projet en lui-même, en fait. Hein. C'est vrai que Montrouge est une ville quand même très dense. Et à chaque fois, j'essaye de trouver des idées pour végétaliser cette ville, pour qu'ils s'y sentent le mieux possible. Je suis très content d'être reçu dans les locaux de la ville de Montrouge, d'avoir reçu ce prix, et puis aussi de voir qu'il y a plein d'idées qui ont été proposées. Alors oui, c'était notre première participation, et on a gagné. Personnellement satisfait d'avoir recueilli autant de votes sur ce projet. Et donc cette opportunité là, de budget participatif et de démocratie participative, je pense que ça fait la quatrième édition. Il faut participer, il faut continuer à ce que ça soit mis en place par la ville de Montrouge, donc les Montrougiens participent pour proposer des idées, pour améliorer leur quotidien. C'est une porte ouverte pour proposer différentes idées pour améliorer la ville de Montrouge, on y arrive. J'invite vraiment chaque Montrougien à proposer ses idées, ses projets. Je pense que via les budgets participatifs, en effet, Montrouge est à l'écoute de ses habitants. La démocratie participative, c'est quelque chose auquel on croit ici à Montrouge et elle s'exprime de diverses manières tout au long de l'année, ce qui, moi, me fait plaisir et me fait croire qu'on est dans la bonne direction, c'est que les Montrougiens viennent et participent avec cet esprit positif. Et ça, c'est vraiment très, très utile et nécessaire pour qu'on vive bien ensemble. C'est ça l'objectif.